Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que ça va ce matin? Vous êtes là pour célébrer et glorifier le Seigneur. On est heureux d'être ensemble et de pouvoir honorer la présence du Roi des Rois. Amen. Est-ce que vous êtes là? On se lève ensemble, on prie, on accueille également nos amis qui sont sur Internet et qui nous suivent également ce matin. Et nous disons tout simplement bienvenue à chacun d'entre vous. Mais bienvenue également au Seigneur par la présence du Saint-Esprit, alléluia, qui est là et qui va encore ce matin nous faire du bien. En tout cas, je veux le croire. Il est là pour consoler, pour relever, pour édifier, pour encourager, pour fortifier. Est-ce que quelqu'un a besoin de tout ça? Vous avez besoin de ça? Alors vous êtes à la bonne place. Vous êtes au bon endroit pour recevoir de la part du Seigneur ce matin toutes ses bontés, toutes ses grâces. Prions ensemble. Et laissons ensuite place à ce temps pour un temps de louange, d'adoration. Mais au-delà de tout ce que nous avons préparé, que nous puissions vraiment rentrer en contact avec le Saint-Esprit, que le Seigneur descende au milieu de nous et fasse son œuvre. Alléluia. Amen. Seigneur, nous sommes là et nous te demandons tout simplement de descendre au milieu de nous. Parce que ta parole nous dit que lorsque deux ou trois sont assemblés, tu es là. Et nous le croyons. Mais ta parole nous dit également que c'est lorsque... ton peuple te loue, te célèbre, te glorifie alors que l'onction descend. Et c'est ce que nous voulons vivre encore ce matin. Au-delà de notre programme, au-delà de tout ce que nous avons pu organiser, planifier, ce que nous voulons, c'est ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, la puissance de ton esprit, ton onction qui relève, ton onction qui change les vies, ton onction qui guérit les malades, au nom de Jésus, ton onction qui ressuscite les morts, ton onction qui relève les paralysés, c'est ce que nous voulons voir. Ton onction qui enlève la douleur, la souffrance. Ton onction qui accompagne également dans les vicissitudes de la vie, dans les combats, dans les luttes. Ton onction qui ne nous abandonne jamais, mais qui marche avec nous, à nos côtés, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Quelle grâce, quel équilibre dans ta parole. Seigneur, ensemble nous honorons ton nom maintenant. Ensemble nous t'adorons et nous te glorifions. Et ensemble, nous voulons élever ton nom par nos louanges et nos actions de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je suis très content ce matin là, d'être avec vous. Là. Ça fait 2-3 semaines que je n'étais pas là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, réjouissons-nous dans le nom de Jésus ensemble. Chante, danse, accompagne-moi et loue le Seigneur. En fait, ce matin, il faut que tu loues le Seigneur, pas Randy. Moi, je vais louer le Seigneur parce que c'est principalement c'est entre Dieu et moi. Mais ce matin, je voudrais que tu loues le Seigneur, que tu danses, que tu acclames le Seigneur, que tu fais monter ce parfum de louange vers ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit « Par toi, je peux tout accomplir. » Est-ce que vous le croyez ça? Amen. « Par toi, je peux tout accomplir. » On y va. Est-ce qu'on peut acclamer avec le batteur? Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible, par toi mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, mais je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais. Je le sais. Tu es là près de moi. Je le sais encore. Je le sais. Tu peux tout. Yeah.
de ta grandeur. Je perdrai ma retour. Je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts. Mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Si je crois ensemble. Tout accomplir. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand, Seigneur, que ce matin, avec ton peuple, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons ensemble, Seigneur, porter vers toi, Seigneur, la louange. Glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble avec moi? Alléluia. Merci, Seigneur.
tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples, ensemble, on y va. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Nous les peuples, ensemble. De toutes les nations, te louons pour qui tu es. Tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. 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 Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en son nom? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu ce matin? Ce matin, je ne sais pas ce qui va être prêché, mais je voudrais que tu saches que Dieu est capable de faire ce qu'il dit, ce qu'il promet. Alléluia. Et c'est ce chant que nous allons chanter ensemble. J'aimerais vraiment que vous vous lâchiez encore, vous louez le Seigneur et vous proclamez la puissance de Dieu au travers de la louange. Amen. Amen. Alléluia. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Ensemble, il fera. Ce qui dit, il fera, il accomplira toutes tes promesses envers toi. Il garde ta foi, en Dieu, il ne t'abandonnera à vous. Pas. Hey, il fera. On va le faire encore une fois, il fera. On y va. Chante avec moi. Il
fera. Oh, 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 et un, deux, trois et quatre. Oh, il fera, 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 ce qu'il dit, il fera, il fera, il fera, car il est juste, il fera, il fera, il fera, oh, il fera, il fera, oh, il fera, 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 tu vas répéter après moi ensemble. Oh, amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Jésus ensemble. Faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Oui, Seigneur, tu feras. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux rester dans cette atmosphère et croire à ta puissance dans ma vie. Ce matin, vraiment, rentrant dans la présence de Dieu et sachez que là, dans le secret, dans votre cœur, en ce lieu, le Seigneur est déjà en train de travailler. Le Seigneur est déjà en train de faire quelque chose. Il faut juste que tu crois qu'il est capable de faire quelque chose. En fait, il est en train d'agir maintenant. Et ce matin, vraiment, dispose ton cœur par rapport à ce qui va se passer ce matin, vraiment. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Que soit la gloire, Jésus. Seigneur, j'étais orphelin. Seigneur, j'étais dans la boue, Seigneur. Je ne sais pas, je veux prononcer ces paroles, je ne sais pas si tu te retrouves. Dans ce qu'on va chanter tout à l'heure, vraiment, je ne sais pas la situation que tu avais avant. Et aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu étais peut-être orphelin, tu es peut-être orphelin ou tu étais peut-être dans la boue quelque part. Et tu t'es dit, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour moi ce matin? Ou un jour? En fait, je veux te dire que l'amour de notre Père est tellement fort que même quand le diable veut nous faire croire à des choses, l'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de notre Père. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je bénéficie ce matin de l'amour de mon Père. Au travers de son amour, je suis guéri, je suis libéré. Alléluia. Seul abandonné, perdu, et ton amour m'a trouvé. Ton cœur blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Guéris, restaure, en vivant les morts, le plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ensemble, t'es orphelin.
j'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, des nouveaux vêtements, une bague au doigt. J'ai transformé mon diable en enfant. Il guérit l'instant, il guérit l'instant, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Il guérit l'instant, chante-le. Il guérit l'instant, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour. Ensemble, volcan! Volcan de compassion, tempête d'affection. C'est l'amour, le Fils venu sur terre, hey! Le Fils venu sur terre, sa main les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père, c'est l'amour de notre Père. Il guérit l'instant ensemble. Il guérit l'instant. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Alléluia. Au feu qui dévore, baptise-moi Seigneur, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Chante la musique. Il guérit l'instant, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, mon plus grand trésor, alléluia, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Peut-être un moment de prier ensemble sans attendre l'autre. Et de dire Seigneur, vraiment, tu guéris, tu restaures, tu ressuscites les morts. Parce que c'est ton amour. Seigneur, tu es mon Père, je suis ton fils, ta fille ce matin. Alors je viens à toi Seigneur, afin que tu puisses me guérir Seigneur, restaurer ce qui était cassé, brisé. Hey, alléluia. Je viens à toi. Prie ensemble. N'attends pas que quelqu'un prie. Prie ensemble et devant nos voix. Il guérit, restaure. Alléluia. Adore tous, comme un seul homme ce matin. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour, il guérit, restaure, hey! Il guérit, restaure, mon vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'aimerais qu'on va chanter le pont. J'aimerais que tu réalises ce qu'on va dire en fait. Le Seigneur peut agir dans ta vie de différentes façons. Comme un ouragan, comme une tempête afin de balayer des mauvaises choses. Il peut agir avec tellement de tendresse aussi. Il peut agir avec tellement d'amour aussi. On va le rechanter encore. Ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse. Océan de sagesse. Joie jusqu'à l'ivresse. Joie jusqu'à l'ivresse. C'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit. Un torrent. Un torrent qui jaillit. Douceur et furie. Alléluia, c'est l'amour, volcan de compassion, volcan de compassion, tempête, tempête, affection, confiance et passion, le Fils venu sur terre pour toi et moi, hey, le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour, il guérit, restaure. Guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père, l'amour de notre Père, l'amour de notre Père, ça c'est l'amour de notre Père, l'amour de notre Père. C'est l'amour
Reçois la gloire, Seigneur. Maintenant, tu peux parler à ton âme. On vient de chanter qu'il guérit, qu'il restaure, qu'il est là et qu'il agit à chaque instant et qu'il peut faire quelque chose pour toi ce matin. Alors tu vas parler à toi-même, tu vas parler à ton âme et dire: éveille-toi mon âme, parce que Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans... c'est particulier, tu te parles à toi-même. Éveille-toi. Des fois tu peux dire éveille-toi, comme tu dis ton prénom, éveille-toi Randy. Parce que Jésus a fait quelque chose. Il est mort à la croix pour toi. Il a souffert, il a pris les coups, il a pris les clous, il a pris les fouets pour toi. Éveille-toi mon âme. Toi qui étais nu, toi qui pleurais dans ton coin, peut-être le moment de se lever et de dire: Jésus a tout accompli et Jésus est capable de faire. Alors je me lève, je crois et je proclame et je déclare qu'il est grand. Alléluia. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi mon âme, ensemble. Éveille-toi mon âme. Alléluia. Éveille-toi mon âme. Après l'heure noire, remets l'espoir. Éveille-toi. Chante avec moi. Il a souffert. Il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert. Il s'est offert. Il a payé. Il a payé. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu. Toi qui étais nu. Pauvre et aveugle. Pauvre et aveugle. Relève-toi. Le Seigneur t'a aimé. On a chanté l'amour de notre Père ensemble. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles. Le Dieu des merveilles. De toi ces merveilles. Relève-toi. Alléluia. Il a tant souffert. Alléluia. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, le sang amer, la croix du calvaire, la croix du calvaire, les larmes du Père versées. Son corps blessé, chantons-le. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée. Le sang amer, le sang amer, la croix du calvaire. Éclaire-le, et hors des ténèbres ensemble, proclamons-le. Tombeau des airs, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis. Et hors des ténèbres, et hors des ténèbres, et hors des ténèbres,
Le tombeau des arts, la pierre est roulée, tout est accompli. Et tu vis en moi, éveille-toi, mon âme, éveille-toi, éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, car Jésus l'a vaincu. Il a vaincu. Éclaire-nous, éveille-toi mon âme, encore une fois. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme. La mort a perdu, Jésus l'a vaincu. Il a vaincu, éveille-toi. Toi, mon âme, rentre dans une nouvelle dimension avec ton Dieu. Éveille-toi, mon âme. Peut-être changer d'atmosphère et ne plus tout le temps être dans un état de tristesse, mais de croire que Jésus est en train de faire quelque chose pour chacun d'entre nous, pour ta vie, pour la vie de ta famille, ton frère, ta soeur. Peut-être cesser de se lamenter à ce moment-là et de dire oui, Jésus est en train d'agir. Éveille-toi et rends gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, quelque chose dont tu sais qu'au fond de toi-même, tu as besoin. Dans quel domaine, dans quelle dimension souhaiterais-tu ressortir ce matin avec une victoire, avec un accompagnement, avec une parole de Dieu pour toi? Prenons quelques instants parce que la Bible nous dit que c'est celui qui demande
qui reçoit. Alors, je vous invite maintenant à demander. Parlez au Seigneur pendant quelques instants. Parlez à Christ et demandez-lui simplement ce que vous avez besoin de recevoir. Et qu'il éclaire par son esprit votre entendement, votre compréhension. Qu'il éclaire afin que vous ne restiez pas simplement parfois buté, arrêté, borné sur certaines choses, mais que vous puissiez commencer votre prière ce matin en lui disant « Seigneur, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie. » Alléluia. Que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans ma vie. Et si j'ai besoin ce matin de comprendre des choses, d'être renouvelé dans mon intelligence, d'avoir une compréhension qui s'ouvre à une nouvelle clarté de ta parole, eh bien, je me mets à ta disposition. Fais-le ce matin. Parce que le plus grand des enseignants, c'est toi. C'est ton esprit qui descend jusque dans nos cœurs pour nous parler. Alors, commence ta prière comme ça pendant quelques instants. Et ensuite, approche-toi du Seigneur, demande-lui ce que tu as besoin de recevoir. Alléluia. Je vais demander aux musiciens, simplement les musiciens, de jouer un peu plus fort pour couvrir notre parole et laisser la liberté de prier et de parler au Seigneur. Et fais-le à haute voix. Ne parle pas simplement dans ton cœur. On parle dans notre cœur quand on est dans l'intimité avec Dieu. Mais tu dois comprendre une chose ce matin, c'est que l'ennemi fait tout pour te maintenir là où tu es, afin que dans ta vie, il n'y ait pas de croissance, il n'y ait pas de maturité qui s'installe, il n'y ait pas de développement. Et même au contraire, que tu puisses perdre au fur et à mesure bien des choses, afin que tu ne sois plus un chrétien véritable, authentique. Alors l'ennemi essaye de te tenir. Mais si tu commences à prier à voix haute, non simplement Jésus t'entend, mais l'ennemi entend également que tu ne veux plus rester dans la condition dans laquelle tu es et que tu veux quitter l'endroit où tu es aujourd'hui, peut-être une zone de confort pour entrer dans une nouvelle dimension avec Jésus, dans quelque chose que lui-même a préparé pour toi. Et il est important que la puissance des ténèbres entende ta position, ton intérêt pour les choses de Dieu, pour un retour à Christ, pour qu'ils entendent que tu ne veux plus maintenant être manipulé par des voix dociles qu'ils essayent de souffleter à ton oreille, mais que maintenant tu te soumets à 200% à l'Esprit de Jésus, à l'Esprit de Christ, et que ce soit lui et lui seul qui influence ton cœur, qui te parle et qui dirige ta vie. Prie mon frère, ma soeur, prie. Alléluia. Vous qui êtes sur Internet, qui nous suivez, priez également. Là où vous êtes, chez vous, dans votre voiture, au bureau, je ne sais où, prie le Seigneur. Prie dans ce sens-là, dans cette direction-là, avec cette orientation. Prie le Seigneur. Alléluia. Lève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Oh Jésus. De l'eau. Au nom de Jésus,
tes enfants, entends tes enfants. Alléluia. Oh Jésus. Oh ba 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 ensemble, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur ensemble quelques instants ce matin. Honorons sa présence au milieu de nous. Amen. Je vous invite à reprendre place quelques instants. Merci pour ces temps de louange. On reprendra ensuite un moment. Est-ce que je peux avoir un peu plus de retour, s'il te plaît? Quelques annonces avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, d'avoir un temps de méditation pour que ceux qui nous suivent sur Internet puissent avoir également quelques notions de la vie de l'Église et comment le Seigneur conduit aussi chacun. Des projets que nous pouvons avoir. La chapelle de prière, je vous rappelle, tous les mardis matins, est ouverte 10h, 12h. Nous avons des temps particuliers d'intercession, notamment pour tout ce qui se passe aussi en Europe, mais pour vos vies personnelles. Donc, l'entrée est libre, la sortie aussi. Et vous pouvez venir prier simplement, avoir un temps d'atmosphère spirituelle, prendre un moment voilà, avec Dieu. Je pense que c'est important. Tous les mardis soirs également, nous avons une rencontre à 19h. Et là, cette semaine, on a un temps particulier avec nos amis. Ça va passer à la diapo d'après. Voilà, merci. Avec le pasteur Louis Vivas et son épouse Déborah. Eh bien, nous aurons un temps particulier avec eux. Ils nous viennent d'Espagne, de Galice. C'est le frère Eric Pérez qui sera là pour les traduire également. Ils seront là toute la semaine dans la région et nous avons la joie de les accueillir pendant deux soirées. J'espère que vous serez là. Voilà, donc aux cinq qui ont répondu, je vous dis merci. Et aux autres, je dis j'espère que vous serez là. Mais pas que mardi soir, mais aussi mercredi. Amen. Et j'invite tous ceux qui se sentent concernés dans le département Louange, la musique, les choristes, à être là également mercredi pour avoir un temps. Les jeunes également à être présents. Les réunions de jeunesse, c'est le samedi, on le sait, mais les réunions du mardi soir, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, Pascal y est. Moi, j'y suis aussi. Les plus jeunes, on est là. Hein. Et il y en a d'autres aussi. Amen. C'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Les jeunes, si vous ne vous habituez pas à venir en semaine, ce n'est pas plus tard que vous le ferez. Si vous vous contentez simplement d'une petite réunionnette comme ça le samedi, venir de temps en temps le dimanche, ce n'est pas ça qui va édifier votre vie et qui va vous tenir quand vous serez dans la tempête spirituelle. Parce que vous passerez par la tempête spirituelle. Comme nous, on est passé par les tempêtes spirituelles. Même si on ne l'a pas demandé d'ailleurs. Hein. On ne demande rien généralement. Hein. Mais ça vient. Et ces moments sont tellement importants pour chacun. Un jour, j'ai un pasteur qui nous avait expliqué quand j'étais plus jeune, vous avez expliqué, vous savez pourquoi il y a des réunions aussi de temps en temps dans la semaine, quoique aujourd'hui il y en a quand même beaucoup moins. Moi je me souviens, hein, quand j'ai commencé le ministère, j'avais 9 réunions par semaine. Je prêchais 9 fois par semaine. Ok, c'était exagéré. Mais entre 9 fois et aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une sacrée distance, n'est-ce pas? Alors, retrouvons un équilibre. Les réunions du dimanche, vous savez, il nous avait donné cette image comme ces poteaux électriques, avec ces grands fils qui pendent, vous voyez. Eh bien, vous avez des immenses poteaux qui sont les poteaux majeurs et qui tiennent l'ensemble. Mais pour alléger et pour pouvoir soutenir le fil sur des longues distances, eh bien, entre ces deux grands poteaux majeurs, ils mettent des poteaux plus petits pour soutenir l'ensemble. Et il expliquait, il donnait cette image en disant, voyez, eh bien, chaque dimanche, c'est les poteaux majeurs. On a un temps de rencontre, on a un temps particulier. Des événements spirituels que nous organisons, des temps de jeûne et prière, des temps où nous invitons des amis, ce sont des poteaux majeurs. Et puis, les réunions que nous avons peut-être de manière hebdomadaire, plus répétitive, que ce soit la jeunesse, que ce soit pour les ados, que ce soit le mardi soir, que ce soit le jeudi dans nos autres églises à Épernay ou à Fagnières, eh bien, ce sont des réunions qui sont là pour soutenir l'ensemble. Parce que nous avons besoin spirituellement d'être soutenus régulièrement. Amen. Alors on ne fait pas des réunions pour faire des réunions. On fait des réunions pour voir la gloire de Dieu.
Alors venez recevoir et vivre la gloire du Seigneur. Amen. Ce matin, on prie pour le pasteur Michel et son épouse qui sont sur Bar-le-Duc, puisque nous donnons un coup de main également aux églises un petit peu autour lorsqu'il y a des besoins. Est-ce nécessaire de rappeler cette sortie de jeunesse qu'il y aura bientôt un événement pour toute la jeunesse avec CAP ? Vous avez eu, je sais, dimanche dernier, des ventes de différents produits pour pouvoir justement financer. Et il y aura de nouveau une vente, un barbecue qui sera organisé. Alors prévoyez au moins 5 euros pour pouvoir acheter toutes sortes de nourriture. Comprenez que l'idée, ce n'est pas les 5 euros. L'idée, c'est de pouvoir faire un don à AMC afin de pouvoir financer l'intégralité de ce voyage. On aurait besoin encore facilement de 1 000 à 1 500 euros pour couvrir l'ensemble des frais et alléger AMC de cette dépense. Donc voilà, en tout cas déjà un grand merci pour ce que vous avez fait. Il y a même certains qui n'ont même pas acheté ni gâteau ni rien, mais ils ont tout simplement fait un don, soit par virement directement sur le compte d'AMC, soit par carte bleue maintenant, c'est possible également. Donc un grand merci pour tout ce que vous avez déjà fait, organisé et pensez à cette jeunesse, la manière dont vous investissez. Mais voilà, on vous sollicite parce que les besoins sont encore là et nous savons qu'avec amour, vous allez y répondre. MCE, en fait, le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, réservez ces deux dates. Nous aurons des affiches et d'autres informations qui vont arriver prochainement. Nous aurons notre assemblée générale MCE et AMC qui aura lieu donc à 10h le samedi 2. Nous invitons bien sûr tous les membres à y participer, vous qui êtes membres, qui avez signé donc la charte de MCE, à être là. Nous aurons un buffet ensuite qu'avec le CA et l'Église, nous avons souhaité organiser pour avoir vraiment un moment convivial à la fin et pouvoir aussi partager. Et à 21h, nous aurons un concert d'évangélisation avec le groupe So Gospel. Je ne m'étends pas trop pour l'instant dessus. Je vous donnerai plus d'informations, des vidéos également qui circuleront. Vous avez des prospectus qui sont déjà à votre disposition. Prévoyez à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours, très prochainement, la possibilité d'acheter ici, sur place, à prix réduit, les places de concert. Voilà. Nous avons fait un concert payant tout simplement parce que c'était le seul moyen de pouvoir financer l'ensemble de toutes les dépenses pour un tel événement. Et puis, nous nous sommes rendus compte que quand nous faisions gratuit, c'est les chrétiens qui venaient, avec très peu d'inconvertis. Mais quand nous le faisons payant, c'est les gens de la ville qui viennent. C'est bizarre, ça, hein ? Et apparemment, quand j'ai discuté avec plusieurs qui organisaient des concerts depuis longtemps, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Voilà. Les chrétiens, ils aiment bien ce qui est gratuit. Quand c'est payant, généralement, ils ne viennent pas. Pas vous, parce que vous êtes des gens vraiment fantastiques. Alors, j'ai pu négocier avec le groupe des prix, justement, des tarifs réduits pour les membres des églises, pour ceux qui sont les personnes âgées, mobilité réduite, pour les étudiants, les jeunes, etc. Donc, on vous donnera tout cela très prochainement et on pourra vendre l'étiquette directement d'ici et vous les récupérez ensuite le jour du concert. Donc, prévoyez, voilà tout cela. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est pas simplement pour se réjouir entre chrétiens. L'objectif, c'est de témoigner de la puissance de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. L'objectif est là. Donc, c'est ça que nous avons voulu organiser. Voilà. On prie simplement ensemble et on ouvre la parole de Dieu maintenant et on demande au Seigneur sa grâce. Amen. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta présence, pour ton amour et pour ces temps que nous avons déjà passés avec toi pendant ces quelques instants. Ce que nous savons, c'est que tu as encore prévu de nous bénir et d'agir. Alors Seigneur, pendant cette matinée, pendant ces instants, viens te glorifier et te manifester avec puissance. Que je puisse vraiment diminuer maintenant et que ce soit toi au niveau de ta parole qui prend place, qui prend position et qui est vu, afin que tu puisses combler vraiment les cœurs. Bénis Pasteur Michel avec son épouse qui est à Bar-le-Duc, également nos frères qui sont à
à Épernay, qui sont à Fagnières, et là aussi, bénis ces églises, bénis nos frères et sœurs qui sont là-bas, encourage-les par ta parole encore ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème ce matin que j'aimerais partager avec vous est « Dieu a une solution à toutes circonstances de nos vies ». Est-ce que vous le croyez, ceci ? Alléluia. Mais parfois, la solution de Dieu n'est pas forcément la nôtre. Est-ce que ça, vous y croyez aussi ? C'est ça le problème, n'est-ce pas ? Parce que nous, on aimerait bien que la solution de Dieu soit notre solution. Or, nous nous rendons compte que, bien souvent, les solutions de Dieu, eh bien, sont parfois différentes. Mais j'aimerais que nous puissions découvrir un petit peu tout cela. Je voudrais vous donner trois textes de base sur lesquels nous allons nous appuyer et qui replacent tout simplement la raison pour laquelle vous et moi, nous croyons en Jésus-Christ. Pourquoi nous croyons en lui ? Hébreux 2, 18. Parce qu'il a été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert. Par conséquent, il peut secourir ceux qui sont tentés. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous ce matin qui sont tentés ? Moi, je lève la main. Ah oui, quand le pasteur il lève la main, tout le monde lève la main après. Ouais, j'ai compris. Hein. C'est pas possible, ça. Mais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui n'est jamais tenté, ben, venez me voir à la fin du culte, parce que j'ai vraiment besoin de savoir comment vous faites, en fait. Parce que même Jésus a été tenté, d'accord ? Donc, moi, je n'ai pas compris comment ne pas être tenté. J'ai compris comment ne pas succomber à la tentation. Ça, c'est différent, parce que la parole de Dieu nous l'explique. Mais je n'ai jamais trouvé un passage qui nous dit « Non, non, tu verras, quand tu seras avec Jésus, tu ne seras plus jamais tenté. C'est fini, terminé !» Tu seras juste comme ça, comment dirais-je, en dehors de tout stress, de toute pression, de toute tentation, de toute action de l'ennemi, etc. Ce n'est pas vrai. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Ça c'est pas vrai. Nous sommes tous soumis à la tentation. Par contre, nous ne sommes pas invités à céder, à succomber à la tentation. Et ça, c'est autre chose. Hébreux, pourquoi nous croyons en Christ ? Car dans Hébreux 4,15, il est écrit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, bien au contraire, parce que, regardez ce qu'il est dit, il a été tenté comme nous. » Lui, c'était juste 2-3 bricoles. Il n'y avait pas tout comme nous, c'était juste... Non ? Ben non, il est dit « En toute chose ». Jésus a aussi été tenté en toute chose, oui, mais il a été tenté en toute chose sans commettre le péché. Troisième texte, Hébreux chapitre 7, le verset 25. Pourquoi nous croyons en lui ? Et que nous avons tout espoir en lui, parce que c'est aussi pour cela, ou c'est à cause de cela, qu'il peut sauver parfaitement. Qui donc ? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi ? Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Et c'est ça qui fait aujourd'hui de Jésus, non pas une religion nouvelle qu'on a appelée le christianisme, mais ça fait de Jésus, le Fils de Dieu, qui désire avoir une relation intime avec chacun d'entre nous parce qu'il est toujours vivant. Tous les autres qui ont été des instigateurs de religion, de philosophie, de tout ce que... Ils sont tous morts. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autres. Alors, certains vont me dire, oui, mais quand même, Marie aussi, hein, elle est montée au ciel. En fait, Marie n'est jamais montée au ciel. On a fait la fête le 15 août, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, si on disait qu'on priait Marie... Ben, ça ne collait pas parce que Marie était morte. Alors, les siècles passant, bien sûr, l'Église a transformé tout cela. Il suffit juste de lire l'histoire de l'Église. C'est très intéressant de voir comment nos amis catholiques ont, depuis des siècles et des siècles, transformé petit à petit l'Écriture pour arriver à une conception qui, sur certains points, n'ont plus rien à voir avec ce que la Bible nous enseigne.
Alors on a dit que le 15 août, c'était l'Assomption, parce que de la même manière que Jésus était monté au ciel, elle aussi. Sauf que c'est une fête qui est arrangée, qui n'a rien à voir avec ce que l'Écriture nous dit. Nous savons que Marie est, heureusement, si elle savait tout ce qui se passe sur cette terre-là aujourd'hui, toute la dévotion que certains lui portent, alors qu'elle-même, elle-même, a dit « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Christ est donc lui et lui seul, toujours vivant, pour intercéder en ta faveur, mon frère, ma sœur. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé peut-être ce matin, pourquoi tu te décourages ? Parce que Jésus lui-même intercède encore pour toi ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis, hein ? C'est Hébreu. Ben, il a disparu, là, mais il était là. C'est ce texte qui nous dit, encourage-toi ce matin, ne te laisse pas partir comme ça dans un esprit désabusé. Non, tu as quelqu'un qui prie pour toi. Jésus-Christ, le juste, intercède en ta faveur. Alors, ces textes bibliques affirment, nous l'avons vu, trois choses essentielles. La première chose, c'est que Dieu peut te sauver parfaitement. Quand vous prenez même le sens original du texte, c'est bizarre parce qu'il est dit « il sauve à fond ». Bizarre hein, comme expression, « à fond ». Ça veut dire que ça ne peut pas aller plus bas. Il accomplit totalement ce qu'il veut faire. La deuxième chose, c'est qu'il peut compatir. Parce que lui aussi, il a été tenté. Et il peut nous secourir parce qu'il connaît le chemin de la victoire. Alléluia. Il est donc important de savoir que lorsque dans certaines situations de vie, nous n'en pouvons plus, nous sommes dépassés ou humainement, nous ne trouvons pas de solution, rappelle-toi ce matin qu'en réalité, il y a toujours un Dieu qui secourt et qui a le pouvoir, tout simplement, de pouvoir agir et de se manifester dans notre vie. Il est là. Il a ce désir. Et il l'accomplit encore aujourd'hui. Alors, que ce soit le chrétien en particulier ou l'Église de manière générale, nous ne sommes pas appelés à désespérer ou à nous décourager. Car en toutes circonstances, Dieu a une solution. Alléluia. Et il a cette solution qui veut manifester à partir du moment où nous le laissons gérer notre vie. Vous m'entendez dire souvent, hein, le chef de l'Église, c'est pas moi. Même s'il y a un président d'association, le chef de l'Église, c'est pas un conseil d'administration, même pas un conseil spirituel. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit avoir la capacité de faire ce qu'il veut au milieu de nous. Et nous comprenons que le Seigneur magnifique a ce pouvoir de perfectionner, la Bible nous dit, ses enfants. Et donc, par conséquent, de guider l'Église, je dirais, dans une vie de réveil constante. Et ça, c'est ce que Dieu veut nous apporter et nous accorder. Une vie de réveil au quotidien. Sauf qu'on ne met pas tous la même constatation, les mêmes mots, les mêmes définitions derrière le mot réveil. Pourtant, la Bible dit dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 1er, que le Seigneur lui-même marche au milieu des chandeliers qui sont les églises et il veille à leur état spirituel. Dieu a le pouvoir de communiquer toutes sortes de grâces. Il sait accorder la vie éternelle, il nous donne la capacité pour le servir, il a un pouvoir de préservation, voire même de conservation, car il est capable de garder ceux qui sont tout simplement dans sa main. Dans l'intention d'y demeurer, comme il le dit dans Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. » Donc nous pouvons dire avec certitude que le Seigneur, ce matin, est infiniment capable. On l'a chanté, hein, et on le chante encore. Il est capable. Par conséquent, arrêtons-nous sur cette capacité que Dieu donne au travers de Jésus à ses enfants, et ce, dans trois domaines que, comment dirais-je, nous partageons tous. La première, c'est la capacité divine pour chaque enfant de Dieu que le Seigneur veut nous donner. Comprenons tout d'abord que, en tant qu'homme, en tant que femme, sur le plan naturel, nous sommes sous le pouvoir
et la domination du péché. Pourquoi je dis cela ? Tout simplement parce que, je l'expliquais tout à l'heure, nous sommes tous tentés. Donc le pouvoir du péché agit continuellement encore aujourd'hui. Seul, nous ne pouvons pas le vaincre. Parce que seul, nous ressemblions à ces hommes et ces femmes que nous étions avant d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais à cause de ce qu'il a accompli pour nous, un chemin nouveau nous est ouvert. Et j'aimerais vous inviter à lire Romains 7, 14 dans une autre version, la version Parole vivante, qui nous dit ceci. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle. Mais moi, dit l'apôtre Paul, je ne le suis pas. Paul dit, il n'est pas spirituel. Ben moi, je pensais qu'il l'était pourtant. Ben, il dit, non, moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché, comme un esclave entre ses mains. Vraiment, je ne comprends pas moi-même. Mon comportement me désoriente et je ne me reconnais pas ou je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère même à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. Ça va loin, hein ? Verset 16. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi, je ne puis faire autrement. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais c'est le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. On s'arrête là une seconde. Parce que si on s'arrête que là, on va tous sortir dépressifs. On va se dire, mais alors comment on fait ? Paul décrit ici son statut avant d'avoir découvert la puissance de Jésus-Christ. Il décrit le combat qu'il y avait dans son cœur, peut-être qu'il y avait aussi après, bien entendu. Et qui d'entre nous, on ne se reconnaît pas dans ces quelques versets ? Je crois que ça nous touche tous. Hein ? Et puis aujourd'hui, encore, on peut se reconnaître les uns et les autres au travers de ces passages. Mais il y a une notion qu'il nous faut découvrir, que vous avez découvert et qu'il faut entretenir. Cette notion, c'est la notion de la grâce de Dieu. Cette capacité de la part du Seigneur, cette mesure d'intervenir et de pouvoir communiquer à Paul une nouvelle destinée, c'est-à-dire celle de pouvoir triompher sur le péché. Hello ? Nous avons été appelés à triompher sur le péché. Nous avons été appelés à triompher sur le péché. Et pas simplement appelés, mais nous avons aussi été équipés pour triompher sur le péché. Et non simplement équipés, mais également accompagnés par Jésus lui-même. C'est pour ça que lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous confessons nos péchés, que nous disons « Seigneur, je sais que dans ce monde nous serons toujours sous l'influence du mal qui sera là », comment faire ? Paul l'explique. Romains, chapitre 6, verset 14, toujours en version parole vivante. Il va dire, à partir du moment où vous avez confessé vos péchés, accepté Jésus-Christ, votre maître n'est plus le péché. Notre maître devient Jésus-Christ. Hello ? Notre maître devient Jésus-Christ. Il ne conserve aucun droit sur vous. Est-ce que c'est clair pour nous ? Le péché n'a plus de droit sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à agir, mais il n'a en fait plus de droit. Pourquoi avant il avait des droits ? Mais parce qu'avant on l'acceptait. Avant on ouvrait la porte. Avant vous et moi, on se plaisait dans le péché. On affectionnait le péché. Même autour de nous, on pouvait même se vanter du péché.
Vous n'avez personne autour de vous, dans votre entourage, au boulot, dans les équipes, qui se vantent d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, d'avoir trompé, d'avoir triché, d'avoir vécu l'adultère, d'avoir fait etc., etc., etc. Vous n'avez personne qui fait ça autour de vous ? On était de la même nature d'eux. On se vantait de nos péchés. Et puis Christ est apparu. Nous avons découvert que si nous restions dans cette position-là, alors nous partions pour l'enfer, pour l'éternité. Et le seul changement possible, c'était d'accepter Christ afin d'être sauvé de l'enfer. Mais pas seulement. D'avoir cette force extraordinaire afin que le péché n'ait plus de droit sur moi, non pas parce que je suis moi, mais parce que Jésus habite en moi. Est-ce que c'est clair ? Si Jésus habite en toi, mon frère, ma sœur, alors le péché n'a plus de droit sur toi. Donc ça veut dire que tu n'as plus le droit de dire « je vais succomber quand même ». Tu dois apprendre à résister. Par conséquent, il dit « il n'a plus de droit sur vous et ne pourra ni vous dominer, ni vous vaincre ». Oh, c'est fort ça. Ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi, votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Alléluia. Nous avons changé de boss. Nous avions le boss des ténèbres, maintenant on a le boss de la lumière. C'est plus le même. Et le boss de la lumière, il a tout accompli et il a dit « Moi, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu la puissance des ténèbres, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu le péché. Ce que j'ai vaincu, ma puissance, je vais te la communiquer. Si tu m'acceptes alors dans ton cœur, dans ta vie, si je deviens le premier dans ton existence, alors tu auras toute cette force, cette énergie, cette capacité, ce pouvoir qui sera là pour non pas faire disparaître totalement le péché de ta vie, parce que nous savons que tant que le diable sera sur cette terre, le péché existera. Mais pour te donner la force d'y résister jusqu'au bout et de ne plus y succomber. Alors, cela ne veut pas dire que nous ne serons plus tentés. Bien entendu, nous serons encore tentés. Nous serons encore éprouvés. Nous passerons encore des moments douloureux. J'aurais bien voulu vous dire autre chose, mais en réalité, nous allons tous être encore confrontés à tout ce genre de choses. Nous allons encore perdre des êtres chers. Nous allons encore nous retrouver dans des situations compliquées. Nous aurons encore des hommes et des femmes qui, à cause de notre foi, s'élèveront contre nous. Comme cela se fait dans bien d'autres pays, ça se fera aussi encore en France. Ça a déjà eu lieu et ça reviendra. Et je n'ai pas besoin d'être un prophète de malheur pour cela. Il suffit tout simplement de lire l'Écriture et de savoir comment les choses se terminent pour que le Seigneur puisse revenir. Et cela veut dire que dans le monde spirituel, comme dans le monde naturel, quoi qu'il puisse m'arriver, le péché ne doit plus avoir de victoire sur ma vie, car en fait j'ai reçu la capacité de ne plus me laisser asservir à cause de Jésus-Christ que j'ai accepté et qui m'aide chaque jour un peu plus à vaincre par sa grâce. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul rajoutera dans Romains, chapitre 1er, le verset 1er du chapitre 8, il dira « Maintenant, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. » C'est dans cette compréhension-là, vous voyez ? Parce que certains disent « Mais il n'y a plus aucune condamnation, et pourtant je suis tenté, et pourtant je succombe. » Eh bien, je ne vais pas revenir, je viens de vous l'expliquer. Il faut reprendre le contexte et savoir comment le Seigneur vient nous libérer. Alors, rapidement, en 3-4 points, comment y arriver. Pour que justement ce Dieu de grâce qui nous a offert des moyens spirituels et surnaturels extraordinaires, eh bien, puisse agir. Je vais juste vous les citer rapidement. La première chose, on l'a vu, il pardonne les péchés. Amen. Dieu le fait encore aujourd'hui. C'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, c'est pas un imam, c'est pas un rabbin. Nous n'avons aucun pouvoir de pardonner les péchés. C'est Dieu, au travers de nous, qui pardonnons. Qui pardonne les péchés. Alléluia. Seul Dieu a ce pouvoir de pardonner et d'enlever la conséquence. Et Jésus est venu sur cette terre
étant tout simplement ce Dieu incarné. Et c'est pour ça que lui avait la capacité de pardonner. D'ailleurs, les hommes religieux de l'époque ont été choqués. Souvenez-vous de cette histoire avec ce paralytique. Et Jésus, tout simplement, de dire à un moment donné, parce que les hommes religieux disaient, mais il vient de dire à ce gars qui est là, allongé par terre, se paralyser, il vient lui dire, tes péchés sont pardonnés. Et entre eux, ils discutaient, ils disaient, mais c'est qui ce gars-là ? Qui se donne le droit de pardonner les péchés ? Et Jésus, qui avait cette acuité spirituelle, parce que rempli de tous les dons spirituels, percevait ce qui se disait. Et il va leur dire, vous connaissez cette phrase, j'aime tellement ça, quand il dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire à ce paralysé qui est là par terre, qui ne marche pas depuis des années et des années, lève-toi maintenant, prends ton lit et va dans ta maison. C'est quoi qui est le plus facile de dire ? Et il va dire, pour que vous compreniez que le Fils de Dieu a sur cette terre le pouvoir de pardonner les péchés, il va dire au paralytique, maintenant, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Et à l'instant même, la Bible nous dit que ce gars s'est levé, totalement rétabli et guéri. Alléluia. Oui, Jésus pardonne les péchés par l'autorité que Dieu lui a conférée. Le deuxième moyen qu'il nous offre, qui est bien entendu lié au premier, c'est qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En acceptant quoi ? La parole qui est prêchée. Cette parole de vie. Jean 1, 12 nous dit à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jean 1, 12, s'il te plaît. Devenir enfant de Dieu. L'homme devient instantanément, et la femme, enfant de Dieu quand il croit en Jésus-Christ. Et nous devons ainsi, et nous devenons des hommes et des femmes qui allons développer ensuite une maturité spirituelle pour aller plus loin avec le Seigneur. C'est ça le travail de sanctification, le travail de croissance et de maintien qui lui est attribué en fonction justement des bonnes décisions que nous prenons. Il est évident que si nous faisons des mauvais choix dans notre vie, nous en aurons aussi les conséquences. Mais il est là pour nous accorder sanctification, croissance, maintien, etc., etc. Et le plus formidable, c'est que dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il nous dit qu'il a décidé de venir avec nous pour accomplir ces choses. Alléluia. Voyez, on n'est plus tout seul. Non simplement il a accompli quelque chose d'extraordinaire, il a dit maintenant, eh bien vous êtes au bénéfice de mon sacrifice et de ma victoire. Oui, mais comment on fait ? Vous inquiétez pas, j'ai envoyé mon esprit, je serai là avec vous. Je vais vous accompagner. Je vais vous aider. Quelle grâce ! Mon frère, ma sœur, tu n'as aucune excuse pour être ce que tu es aujourd'hui ou pour vivre ce que tu vis. Oui, il peut y avoir des excuses atténuantes. On peut dire qu'on a souffert, qu'on a été blessé, qu'on a vécu ceci, qu'on a vécu cela, etc. Mais tu n'as pas d'excuse pour rester là où tu es. Tu dois te relever et avancer au nom de Jésus. Parce que Christ a tout accompli pour toi. Ma sœur, c'est pareil. Tu n'as pas d'excuse pour rester enfermé dans ta mauvaise compréhension des choses. Jésus veut te faire grandir dans la maturité spirituelle. Il veut ouvrir ton entendement, ouvrir ton esprit pour t'amener vraiment plus loin avec lui. Alors, quand nous comprenons cela, il s'y prend parce que la Bible nous dit qu'il a le pouvoir d'affermir celui qui est faible. Romains 14 nous dit par exemple, mais qui es-tu toi qui juge le serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Pour beaucoup dans l'Église, on ne comprend pas bien souvent ce texte en disant, oui, moi je n'ai pas de serviteur, je ne juge pas les autres. Mais vous savez que le serviteur d'autrui commence dans le couple. À partir du moment où on est deux, mariés, engagés avec le Seigneur, si je commence à juger ma femme sur sa façon dont elle vit sa vie spirituelle, sa façon dont elle gère sa relation avec Dieu, je suis en train de juger le serviteur d'un autre, car en réalité, son maître, ce n'est pas moi, c'est Christ. Est-ce que vous me suivez ? Parfois, nous nous jugeons dans les couples,
Mais en réalité, qui sommes-nous pour juger l'autre, puisqu'il est le serviteur lui-même du Dieu Très-Haut? Et vous remarquerez, et on le voit très souvent dans les séminaires couples que nous faisons avec Muriel, quand la femme cherche à vouloir absolument changer son mari, c'est juste une catastrophe. Ça ne fonctionne pas. Alors oui, peut-être qu'à un moment donné, le mari va s'amadouer, il va dire oui, allez, je dis oui, parce que comme ça, au moins, j'ai plus de problème. Il n'y en a pas ici, ça n'existe pas là. Je sais qu'à Reims, ça ne marche pas. Mais la femme, pareil, quand l'homme veut absolument changer sa femme, c'est-à-dire que l'homme veut absolument que sa femme fonctionne selon son fonctionnement, selon son cadre, selon ses priorités, eh bien, soit c'est des conflits permanents dans le couple, soit au bout d'un moment, il y en a une qui s'écrase et qui finalement se soumet entièrement en disant bah, comme ça, il n'y a pas de conflit et tout va bien. Mais en réalité, ça, ce n'est pas le fonctionnement que Dieu a donné dans sa parole. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des hommes et des femmes libres. Et nous n'agissons pas sous cette injonction de pression ou de stress. La Bible nous dit que nous n'avons pas à juger le serviteur d'un autre. Et quelque part, mon conjoint est directement le ou la serviteur ou servante du Dieu Très-Haut. Ce n'est pas moi qui vais rendre des comptes pour mon épouse, c'est elle qui va rendre des comptes pour elle. Et ce n'est pas elle qui va rendre des comptes pour moi, c'est moi qui vais directement rendre des comptes à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça nous amène à comprendre quoi? Ça nous amène à comprendre pourquoi il y a souvent des conflits dans le couple. Tu es là, chérie? Tu peux venir une seconde? Viens me rejoindre une seconde. Parce que lorsque... Bah, attendez, elle n'a rien fait, ça va, oh. Non, mais alors, t'as des fans, toi, ici, c'est pas possible, quoi. Vous savez, très souvent, dans un couple, alors, on voudrait se balader comme ça, se promener comme ça, puis il y a des conflits. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? Eh bien, généralement, bouge plus. Ouais. Vous voyez, le conflit, c'est ça. On n'est pas d'accord sur cette bouteille d'eau. Eh bien, on met la bouteille entre nous deux. Et on commence à s'accuser mutuellement, parce que moi, je dis que la bouteille, elle a du bleu, mais qu'elle a quand même beaucoup de vert, en fait. Hein, et puis qu'il y a du gris dans le fond. Et elle me dit, mais non, elle est rouge. Mais non, elle n'est pas rouge, je te dis qu'elle est bleue. On a un conflit dans notre couple. Et voyez ce qu'on fait? C'est qu'on met le conflit au milieu. Est-ce que vous pensez que notre couple a des chances d'avancer? Or, 95, peut-être 90% des couples fonctionnent comme ça. Si nous voulons trouver une solution au problème de la bouteille, il faut que nous, on soit ensemble et que le problème soit devant nous, pour le traiter ensemble. Quel que soit le conflit, si je suis à l'origine du conflit, ma femme va venir avec moi pour m'aider à me soutenir. Et si c'est elle qui est à l'origine du conflit, alors moi je vais m'associer avec elle pour qu'elle sorte de ce conflit et qu'ensemble, pas simplement elle ou moi, mais ensemble, nous soyons en Jésus-Christ victorieux. Alléluia. Mon frère, ma sœur, à vous qui êtes mariés, ne mettez pas les conflits entre vous. Ne mettez pas vos problèmes de couple au milieu de votre couple. Mettez-les devant vous. Prenez un pas de recul. Laissez-vous vous entourer de Christ et combattez le problème ensemble. Et c'est là où nous obtenons la plupart des victoires. Amen. Voilà, vous pouvez l'applaudir maintenant. C'est bon. Et c'est ce que ce verset nous dit. Parce que très souvent, au lieu d'appliquer cette parole de cette manière-là et d'être ensemble, alors on va juger notre prochain. Quatrièmement, Dieu a le pouvoir de nous préserver de la chute. Jude 24. À celui qui peut vous préserver de quelques chutes, de quelques problèmes, de certaines difficultés, non, qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Quand le diable vient te tenter, quand le diable vient t'entraîner quelque part, dis-lui, allez, c'est bon, dégage. Dégage parce que avec moi, j'ai déjà celui qui me donne le pouvoir et qui me préserve de toute chute. Va faire un tour ailleurs. Va tenter quelqu'un d'autre. Moi, je veux rester avec Jésus. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'avoir avec lui cette intimité constante. Parce que Paul, dans 2 Corinthiens 3, 5, va nous dire tout simplement que
tout ce qui concerne la vie chrétienne et la force dont nous avons besoin est accordé par lui. Et cette force, il va te la donner tant que tu restes dans cette communion avec lui. Ah, par contre, si tu commences à t'en détacher, par contre, si tu ouvres la porte à l'ennemi, comme le dit la Bible, par contre, si tu commences à avoir, non pas simplement des mauvaises pensées, parce qu'on a tous des mauvaises pensées, mais quand tu commences simplement à laisser les mauvaises pensées s'installer, demeurer, prendre part à ta vie, et que finalement, ensuite, tu commences à succomber à la tentation, là, oui, c'est plus compliqué. L'intimité n'est plus là. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit quoi donc ? Que nous avons attristé le Saint-Esprit. Tant que nous sommes dans cette opposition des mauvaises pensées, nous n'attristons pas le Saint-Esprit, mais nous sommes en combat avec le Saint-Esprit. Souvenez-vous, c'est la même histoire du couple. J'ai une mauvaise pensée. Qu'est-ce que je fais ? Je dis au Saint-Esprit, toi tu n'es pas là-bas et moi je suis là. Le Saint-Esprit n'a jamais de mauvaise pensée. Moi j'ai des mauvaises pensées, d'accord ? Alors avec le Saint-Esprit, je vais m'unir et on va lutter ensemble contre les mauvaises pensées. C'est là qu'on a la victoire. Si je succombe à la mauvaise pensée, j'attriste le Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'en va pendant un temps. Jusqu'à quel moment ? Jusqu'à ce que je reconnaisse que j'ai succombé à la mauvaise pensée, que je confesse mes péchés, je demande pardon et que je revienne avec le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Jean confirme quand il nous affirme qu'il dit « Il est fidèle et juste si vous confessez vos péchés les uns les autres, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Alléluia !» Il ne parle pas à des gens qui sont hors de l'Église, il parle à des gens qui sont dans et qui vivent dans l'Église. Et Paul affirme qu'il faut absolument garder cette intimité avec Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il dit « notre capacité vient de Dieu ». Alors ça vient de lui, ça vient de l'Esprit, ça vient... Donc il faut absolument garder cette force et cette puissance. Allons encore un peu plus loin. Ce matin, si vous avez encore quelques heures à m'accorder, pour juste ceux qui le servent, par exemple. Parce que là aussi, on dit, Seigneur, toi, ben, j'ai ma vie personnelle, mais quand je suis engagé dans le service, là aussi, la Bible nous dit qu'il est capable de nous donner sa force, sa capacité divine pour le servir. Souvenez-vous de Sarah qui ne pouvait pas enfanter. La Bible nous dit que Dieu l'a rendue capable. Elle était au service. Elle avait envie de s'impliquer. Dans Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La Bible explique tout simplement que c'est donc la foi qui va permettre à Dieu de qualifier ceux qu'il appelle et qui vont le servir. C'est par la foi. Parce que Sarah avait quelque chose à accomplir. Et comme nous, nous avons aussi quelque chose à accomplir. Cette foi doit bien sûr s'appliquer au domaine qui concerne chacun d'entre nous. Il ne suffit pas tout simplement de désirer être un pasteur ou un évangéliste ou un apôtre ou un prophète ou un enseignant pour le devenir. On sait bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne suffit pas de désirer un service dans l'Église pour devenir un spécialiste de ce service. D'ailleurs, il faut juste se rappeler que c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu également qui nous qualifie. Et c'est lui qui, même dans la durée des temps, continue de nous rendre capables pour son service. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, chaque jour, je ne sais pas ce qui va se passer dans la journée, mais après 30 ans de ministère, plus j'avance dans le service et plus je réalise que j'ai besoin de compter sur lui. C'est bizarre, avant, quand j'étais plus jeune, je me sentais fort, je me sentais équipé. Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. On fait tout ça peut-être quand on est jeune. Enfin, moi en tout cas, vous êtes plutôt intelligent, donc vous n'avez peut-être pas réfléchi comme ça. Mais plus on vieillit, plus on regarde les choses, plus on est confronté à la vie, plus on dit, mais finalement, non Seigneur, dans cette journée, je vais te laisser encore plus de place, en fait. Parce que je me rends compte que plus je te laisse de place, et mieux les choses se font. Alors Seigneur, prends toute la place. Je ne sais pas comment tu vas t'y faire, ni comment tu vas t'y prendre, ni comment tu vas accomplir les choses, mais prends toute la place. Fais les choses dans les entretiens, dans les visites, dans les projets que nous travaillons, dans les dossiers que nous devons traiter. Prends toute la place. Et c'est là où c'est juste excitant. De voir Dieu
vous donner des rendez-vous divins, magnifiques, des rencontres avec des personnes que vous n'avez pas prévues du tout. Et puis, il vous fait vous rencontrer parce que lui, il avait dans son agenda un rendez-vous qui était prévu. Moi, je ne l'avais pas noté, mais lui, oui. Quand on reste figé sur notre cadre, eh bien, on passe complètement souvent à côté. Et Dieu, nous ne lui permettons pas de nous forger et de nous façonner. Mais Dieu a toujours fait comme cela. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu a prévu de façonner ta vie, de te qualifier, de te donner encore davantage. Tu n'as pas le droit de rester là où tu es ce matin. Tu dois aller plus loin parce que Dieu a prévu des choses. Regardez ce que Dieu va faire, par exemple, quand il y a le témoignage de Betsalel. Vous connaissez Betsalel ? Si vous cherchez des prénoms pour des garçons. Alors, lui, il a été choisi par Dieu. Et regardez ce qu'il est dit de lui. En fonction du principe, Exode, chapitre 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda. » Regardez ce qu'il a fait avec ce garçon. « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. » Moi, il s'arrêtait là, j'étais bien. Ah, mais moi, ça m'allait, bien. Ah bah déjà, là, les trois premiers trucs, là, c'était... Et regardez, pour qu'il ait le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Vous voyez, quand on dit certains ont inventé ci ou inventé ça, c'est Dieu qui nous rend capable de faire des inventions. Travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. C'était un robot, le gars, je ne sais pas. C'était peut-être déjà le premier ordinateur que Dieu était en train de créer. C'est incroyable. Les qualifications qu'il était capable de donner, c'est... Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Ben oui, parce que ce n'est pas facile. Vous avez des gens qui savent très bien faire les choses, mais ils sont zéro en pédagogie. Ils ne savent pas former, ils ne savent pas enseigner, ils ne savent pas transmettre leur savoir. Lui, Dieu lui a aussi donné le don d'enseigner. Et il a même déjà des adeptes, même qu'à Oliab ou Assisamac de la tribu de Dan, etc. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages. Vous voyez, au départ, on part simplement avec lui, puis il a transmis son savoir. Et Dieu a accompagné ces gars-là aussi en développant son savoir et ses capacités. Exécuter tous les ouvrages de sculpture, d'art, pour broder, tisser des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en chromasie, en foin lin, etc. Et toute espèce de travaux et d'inventions. Waouh ! Est-ce que je peux te dire que Dieu n'a pas changé, il est le même ? Si tu t'attends à ce que Dieu te qualifie, il va le faire. Dis à ton voisin ce matin, Dieu a prévu de te qualifier. Dieu n'a pas prévu de te laisser là où tu es. Il a prévu de te qualifier. Juste une parenthèse. Dieu n'a pas simplement prévu de te qualifier en te faisant passer des études et des diplômes. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement prévu de te qualifier en te donnant une intelligence humaine. Dieu a prévu de te qualifier directement par son esprit. J'ai vécu ça dans ma vie professionnelle. Quand j'étais ingénieur en informatique et je me suis retrouvé un jour devant un choix où mes études ne m'avaient pas permis de faire des études d'ingénieur, et donc il me manquait toutes sortes de notions, j'avais des séquelles dans tout ce qui était scientifique, mathématique, etc. Parce que je n'avais jamais étudié cela, autodidacte pratiquement sur pas mal de choses. Et puis, dans l'entreprise, il y a une situation conflictuelle entre deux entreprises, deux patrons, et on me met au défi de tout simplement de faire un certain nombre de travaux. Et je me dis, mais j'ai jamais appris ça, quoi. C'est mon job, mais en même temps, je vois pas du tout comment. Et je me souviens, ils me disent, tu as 15 jours. Et au terme de ces 15 jours, tu nous envoies... À l'époque, c'était des disquettes. Hein. On n'avait pas d'interface. On avait des modems, mais ça marchait tellement lentement qu'en y allant en courant... Oui, ça... ouais, merci, ça remonte à loin. Merci beaucoup. Ce n'est pas comme mes enfants qui disent, papa, à ton époque, y avait la télévision couleur ou
Bref, ils me donnent 15 jours, ils me disent du Vieux-Art, voilà, au vu de la situation conflictuelle qu'il y a entre les deux sociétés, vous n'avez que 15 jours, il n'y a personne qui est capable de régler ça, eh ben, on vous le donne. Puis après, on verra ce qu'on fait de vous. Je dis, ben, c'est sympa. Je dis, mais moi, je n'ai jamais fait ça, je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable. Et je me souviens que le lundi matin, je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça me tombe sur la tronche, cette histoire-là? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous n'avez jamais réagi comme ça, vous? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit moi qui soit obligé de traiter ce dossier-là? Et puis je lui dis, tu sais très bien que j'ai aucune compétence. Là, c'est... mes compétences sont limitées. Je ne vais pas être capable de pouvoir gérer ça jusqu'au bout. Et je vois même pas qui pourrait m'aider, qui je pourrais interpeller en France pour... Je vois pas. Je fais juste la courte parce que c'était juste quelque chose tellement d'extraordinaire. Au fur et à mesure que je me suis mis sur l'ordinateur et que j'ai commencé à travailler, devant moi, j'avais l'impression que les choses se faisaient toutes seules. J'étais là, je tapais, mais les idées venaient. Et quand j'étais confronté à une situation de difficulté, parce que là, de nouveau, blocage, j'avais comme une vision qui venait et une idée qui se transperçait et qui faisait, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu programmes comme ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses... Ça a duré 15 jours. J'ai jamais vécu ça, c'était tellement extraordinaire. Et au terme de ces 15 jours, je leur ai donné tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils voulaient par rapport à... Mais au-delà du côté professionnel, c'est ma relation, mon intimité avec Dieu et l'expérience que je venais de faire avec Jésus qui avait bouleversé ma vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller à l'école, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas étudier, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas apprendre, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'il y a des formations, il y a des apprentissages, il y a des écoles, il y a des diplômes, il y a toutes sortes de choses. Ok, ça c'est très bien. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut te qualifier, toi particulièrement et personnellement, par son esprit qui est le meilleur des enseignants, pour le projet de vie qu'il a préparé pour toi. Et c'est ça la réalité. Parce que nous, on a nos projets de vie. Parfois, ce n'est même pas nos projets de vie, c'est les projets de nos parents. Parce que nos parents veulent absolument qu'on soit dans le droit, avocat, docteur, machin, etc. Mais si le projet de Dieu pour tes enfants est autre chose, tu vas les priver ? Ah ouais, non mais pasteur, tu comprends, missionnaire, ça ne gagne pas beaucoup. Non, et puis ma fille à faire des traductions là dans cette école biblique, mais pourquoi ? Alors qu'elle aurait vraiment des capacités intellectuelles pour... Pourquoi ? Pour gagner de l'argent ? Pour avoir une grande maison, passer à côté du service que Dieu a préparé d'avance pour elle. Dieu n'est pas contre les maisons, les soucis. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous voulez être des hommes et des femmes épanouis, cherchez le projet de Dieu pour votre vie. Vous serez alors toujours épanouis. Ne faites plus ce que vous avez uniquement envie de faire. Cherchez la volonté de Dieu. Laissez-vous qualifier, laissez-vous former, laissez-vous instruire par le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu appelle rarement des gens extraordinaires. Dieu appelle des gens ordinaires, mais il les rend extraordinaires. Amen. Et heureusement que c'est comme ça, parce que moi je ne serais pas avec lui autrement. Allez, je termine avec ce quatrième point. Parce que c'est un point qui est important et si on veut garder un équilibre dans ce message, je pense que nous devons prendre tout ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'un des quatrièmes domaines où nous avons besoin de comprendre que Dieu a bien sûr, pour chaque circonstance, des situations possibles à nous présenter. Mon quatrième point, je l'ai intitulé « La capacité divine dans l'épreuve du chrétien ». Mais sur ce point-là, je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Daniel va vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Reprenez le livre de Daniel dans la Bible et relisez son histoire. Au chapitre 3, alors qu'il voit la sentence du roi bien se dessiner, au verset 17, la Bible nous dit que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Nous, les chrétiens, on aime ça. Ah, quand Dieu délivre, ça, on est à fond avec. Hein. Parce que nous, on pense que la seule option, le seul axe que Dieu veut nous donner, c'est la guérison, la transformation, la libération, la délivrance, enfin, etc., etc. Comprenez ceci. Pour reprendre le contexte de l'histoire,
Parce que Daniel et ses amis ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi venait d'ériger. Là encore, si vous voulez des prénoms d'enfants, j'en ai. Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés tout simplement, non simplement en prison, mais quelqu'un de bien malin avant avait été voir le roi, signé un décret, en disant « Ô roi, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant toi, même pas on les mettra en prison, direct au feu, on les brûle. Ouais, dans une fournaise ardente. » Et bien sûr, ces quatre bonhommes, eux, n'étaient pas au courant de cela. Et puis, à l'heure de la prière, eh bien, ils ne se sont pas prosternés devant la statue et ils ont été faits prisonniers. Et le roi, comme il avait écrit ce décret, ne pouvant pas se repentir, eh bien, a tout simplement accompli ce décret. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de comprendre l'équilibre de Daniel et de ses amis. Parce que ces hommes ne se sont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas enfermé Dieu dans le schéma de la délivrance. Oui, Dieu a une solution à toutes circonstances. Je le prêche, je le proclame, et qui que vous soyez ce matin, même si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais vous dire que oui, Dieu a des solutions pour votre vie, c'est certain. Mais je les déclinerai en trois axes, selon ce texte que vous pourrez lire et étudier chez vous. Le premier, il peut nous sauver de la fournaise, dans le sens où il peut nous léviter. Oui ou non ? Ben, je pense que nous avons tous fait les uns et les autres des expériences où, après coup, nous nous sommes rendus compte que si nous avions continué dans une certaine direction, c'était le pire qui nous attendait. Mais Dieu nous a préservés du pire. Il nous a gardés, il nous a protégés. Oui ou non ? On a tous fait cette expérience-là. C'est une des choses que Dieu peut faire. Deuxième option, il peut aussi nous permettre, pour toutes sortes de raisons, que nous comprenions ou pas d'ailleurs du reste, il peut nous permettre de nous faire entrer dans la fournaise afin que quelques temps plus tard, il puisse nous en secourir. Oui ? Oui, mais pasteur, nous, la fournaise, on n'aime pas bien. Si on peut les... Oui, mais moi aussi, je n'aime pas la fournaise, c'est clair. Hein ? Je veux dire, si on peut éviter toutes les épreuves, toutes les maladies, tous les problèmes, toutes les difficultés, je suis le premier, moi, je signe tout de suite. Mais la vie, ce n'est pas ça. Et chacun de nous, nous pouvons témoigner aussi, je pense, comment finalement l'épreuve, un jour, est arrivée dans notre vie, souvent brutalement. On n'a pas été préparé à ça. On a crié à Dieu et Dieu est venu dans l'épreuve et il nous en a fait tout doucement sortir. Parce qu'on a vécu des témoignages comme ça. Vous avez vécu des choses comme ça. Alléluia. Dieu est fidèle. Deuxième option. Troisième option. Ah, celle-là, on ne l'aime pas trop. Il peut aussi venir avec nous dans la fournaise et rester dans la fournaise avec nous, compatissant jusqu'à la fin. Non, mais là, pasteur, faut pas exagérer quand même. Parce que qui nous la fasse éviter, bon, ok, à la limite, qui ne veulent pas nous la faire éviter, mais un petit bout alors, pour pas trop souffrir. Alors là, nous dire qu'il est capable de nous laisser dans la fournaise. Ben oui, les plans de Dieu, ses projets sont pas toujours compréhensibles. Regardez ce garçon Nick qui est très souvent en vidéo sur Internet, un peu partout, qui a donné sa vie, mais il n'est pas le seul. Vous savez, qui est né sans bras, sans jambes, etc. Et qui, pendant des années, ses plaints étaient en colère contre Dieu, et on peut le comprendre, parce que justement, il disait qu'il n'allait jamais rien faire de sa vie, parce que ni jambes, ni bras, ni rien, pour lui, c'était juste rien, il était juste une masse informe et vide qui ne servait pas à grand-chose. Pourtant, ses parents chrétiens, engagés avec le Seigneur, ils témoignent de ce qu'il priait pour qu'un matin, il se réveille
et qu'il se rende compte qu'en tant qu'enfant, d'un seul coup, il avait des bras et des jambes qui avaient poussé. Il croyait au miracle, ses parents croyaient au miracle. L'église dans laquelle il était croyait au miracle. Mais le miracle n'est pas arrivé. Il est dans la fournaise. Et il y a eu un temps de compréhension de ces choses. Et quand il les a comprises, Dieu est descendu avec lui dans sa fournaise. Dieu est descendu avec lui dans son handicap. Et il a dit, maintenant, je prends avec moi ton handicap et je vais t'amener dans la destinée que j'ai prévue pour toi. Combien sont ceux qui sont dans une fournaise? La fournaise de l'épreuve, la fournaise de la maladie, la fournaise de la souffrance, la fournaise de je ne sais quoi, toutes sortes de difficultés, de problèmes peut-être que tu traverses, etc., etc. Tant que tu te plains envers Dieu, tant que tu es en colère, tant que tu commences à combattre parce que tu ne comprends pas, parce que tu laisses ton cœur s'aigrir, etc., tu ne seras jamais dans la paix et dans la victoire. Comprends ceci. La Bible dit que le feu de cette fournaise, dans cette histoire, n'a eu aucun pouvoir sur les quatre gars qui sont descendus là. C'est incroyable ça. Il est dit, regardez, Daniel chapitre 3, le verset 27. Les satrapes, ouais, c'est un mot bizarre pour dire les dirigeants, quoi, les dirigeants de l'époque, les intendants, les gouverneurs, etc., et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. C'est quoi cette histoire? Tellement il y avait du feu que ceux qui étaient autour ont même été brûlés. Et là, ils disent, même les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Regardez la précision pour juste qu'on soit sûr. Hein. Même leurs caleçons n'étaient pas endommagés. L'odeur même du feu ne les avait pas atteints. C'est qui ces gars-là? C'est toi et moi, mon frère. Quand tu te caches dans le rocher qui s'appelle Jésus. Alléluia. C'est des gens extraordinaires? Non. C'est des gens exceptionnels? Non. C'est des gens qui ont été appelés pour accomplir quelque chose de grandiose? Non. Ce sont des hommes qui, comme toi et moi, mon frère, ma sœur, qui ont été à un moment donné pris à partie dans une épreuve qu'ils n'attendaient pas, où ils ont été comme frappés subitement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en sont remis entre les mains de Jésus, de Dieu, de l'Éternel. Le Dieu qu'il connaissait. Oui, Dieu a une solution à toutes les circonstances de nos vies. Il peut nous éviter les souffrances ou bien les permettre pendant un temps pour éprouver peut-être notre foi, nous façonner, nous faire grandir, etc. Pour ensuite peut-être nous secourir. Mais il peut aussi venir compatir avec nous dans notre situation et de descendre avec nous dans la peau, la fournaise qui est la nôtre, la fournaise de l'épreuve, de la difficulté. Pourquoi? Pour nous donner de la force, pour nous donner de l'énergie, pour nous aider tout simplement à la supporter jusqu'à la fin de notre vie. Mais, sans que le feu t'atteigne, sans même qu'il y ait l'odeur de la fumée sur ton caleçon, même tes cheveux ne seront pas touchés. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Il y a des hommes et des femmes qui ont témoigné d'une plus grande gloire de Dieu en n'ayant pas reçu la victoire ici-bas. Oui, nous, on n'aime pas ça. Nous, on veut la victoire. Nous, on veut la guérison. Nous, on veut... Comprenez bien, le feu. Le feu, c'est l'image de la conséquence de l'épreuve qui peut produire de la révolte, de la colère, de la frustration, même de l'amertume. Lorsque justement nous sommes dans l'incompréhension ou la non-acceptation de notre situation. Si j'ai un conseil à te donner, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, c'est accepte la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et réfère-toi au Seigneur pour savoir quelle solution il a pour te faire traverser ces moments. La fournaise, c'est l'image de l'épreuve ou des épreuves que nous pouvons traverser les uns et les autres. C'est l'image de la maladie qui s'est parfois installée et qui, au travers d'elle, eh bien, Dieu va t'enseigner ses principes. C'est à cause de cette maladie que Dieu peut-être t'enseigne ça, à persévérer, la compréhension des autres, à avoir de l'empathie, de la patience, à comprendre que humainement, tu as des limites.
Et qu'en toute circonstance, tu dois t'en référer au Seigneur. C'est l'image de la montagne que tu dois apprendre à franchir, qui te semble peut-être aujourd'hui totalement inatteignable. Mais demain, tu vas la regarder comme une petite vallée. Parce que tu auras grandi dans la foi et dans la maturité spirituelle. C'est l'image de toutes les victoires que tu attends pour toi, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari, peut-être pour tes petits-enfants, pour les membres de ta famille. Un ami, une amie, quelqu'un autour de toi qui est dans ton environnement, dans tes relations et qui n'ont pas encore peut-être donné leur vie à Jésus-Christ. Et cela se tient dans le combat justement spirituel, ça te tient dans la prière. Ça te tient à l'affût, avec persévérance, dans la confiance en Dieu. Frères et sœurs, nous devons être prêts à passer par de telles choses pour apprendre, et je dirais pour être à l'abri des désillusions et comprendre l'équilibre de la vie chrétienne. Pourquoi à l'abri des désillusions ? Parce que malheureusement, nombreux sont ceux qui veulent nous laisser croire que tout est toujours une victoire. On a aujourd'hui des télévangélistes, on a des gens qui s'autoproclament être des revivalistes spirituels, ceux qui prêchent la prospérité de l'évangile aujourd'hui, laissant sous-entendre que parce que nous allons donner davantage d'argent, vous allez voir, la guérison est là, et que, etc., etc. Quel manque de maturité et d'équilibre. Dans tous les cas, les trois que j'ai cités, la foi est agissante. Il n'y a pas un des trois cas où la foi n'est pas agissante. Regardez avec moi, et je termine avec ça, Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore, dit l'apôtre ici, car le temps me manquerait, moi aussi, beaucoup. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, des prophètes. Et regardez ce qu'il est dit, verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Bon, c'est pas extraordinaire ça. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent de vaillants guerriers à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Voilà, ça c'est la partie du livre des Hébreux. On peut la remettre, s'il te plaît ? Ça c'est la partie qu'on préfère. Bah, nous, on veut vivre ça. Nous, on veut, bon, même s'il n'y a plus de lion pour l'instant, mais on veut voilà, avoir la puissance pour dominer sur les animaux, pour... Je ne suis pas contre ces choses. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Hein. Je crois au miracle encore aujourd'hui. Je n'ai aucun problème avec ça. Je prêche juste un évangile équilibré. Et je veux que vous soyez des chrétiens équilibrés. Qui est-ce qui définit si dans ma vie, il va y avoir un miracle ou pas ? Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce n'est pas l'argent que je vais donner qui va définir s'il va y avoir un miracle ou pas. Ce qui définit s'il y a un miracle, s'il y a un prodige, s'il y a l'action de Dieu, si je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est le Saint-Esprit qui le décide pour moi, pas moi. Je suis soumis au Seigneur. Et je vois et je vis encore aujourd'hui des miracles. Nous, on aimerait s'arrêter là. Parce que oui, ces hommes ont vécu des choses extraordinaires. Mais l'auteur des Épîtres aux Hébreux continue. Ah mince alors. Puisqu'à la suite du verset 34, il y a le verset 35. Et au verset 35, il dit ceci, regardez bien. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Ah, qu'est-ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ? Des chrétiens, des familles entières sont décimées. Des églises sont brûlées. Des pasteurs ont été assassinés. Ah, mais comment se fait-il que... Pourquoi Dieu ne les a pas sauvés ? Parce que des femmes ont retrouvé leur mort et retrouveront leur mort par la résurrection. On n'est pas plus grand que ceux d'hier. Nous sommes, comment dirais-je, au bénéfice des mêmes actions encore aujourd'hui. Et regardez, parce que là, ça nous gêne quand même. D'autres ont été torturés. Oh, ben mince alors. N'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis et de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. On est loin de la prospérité de l'évangile, là.
Mais regardez au verset 39 ce qu'il est dit. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage de grâce à leur foi, oui, parce que vous avez tellement de chrétiens, pas ici, hein, mais vous avez des chrétiens, quand ils voient des personnes autour d'eux qui passent par l'épreuve, ah ben c'est qu'ils ont péché. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas assez la foi. Ou leur témoignage n'est pas bon. Alors à cause de ça, eh bien, c'est pour ça que Dieu les condamne, que Dieu les juge, et que arrêtons de dire n'importe quoi. S'il y a péché, ok, il y a péché, le Saint-Esprit est là pour convaincre. Et alors qu'ils confessent leur péché, qu'ils demandent pardon, point barre. Qu'est-ce que toi, tu vas encore les incriminer, les accuser et les écraser ? Double peine. Déjà, leur souffrance est là. Et en plus, toi, tu dis, non, mais ils ont certainement péché, ils ont vécu quelque chose. Il y a un truc de secret, quelque part, de caché, c'est sûr, j'en suis sûr. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et je suis poli. Ferme ta bouche. Et prie plutôt pour celui ou celle qui est dans l'épreuve. Que leur Seigneur leur fasse grâce. Et méfie-toi. Méfie-toi. Parce que tout cela, bien qu'ayant reçu finalement un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ah. Car Dieu. Pourquoi ? Car Dieu avait. Lisez avec moi. Car Dieu. Il faut que ça arrive. Voilà. Car Dieu avait en vue, donc pour tout cela, quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Méditez sur ces textes pendant cette semaine. Prenez un moment. Ils avaient tous la foi, mais ils n'ont pas obtenu la victoire de leur vivant. Parce que Dieu savait que ce n'était pas le moment, peut-être, je ne sais pas. Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Quel était l'objectif ? De ne pas parvenir sans nous à la perfection. Frères et sœurs, on a beaucoup de mal à accepter cette partie de la Bible, cette partie de réalité de la vie chrétienne, n'est-ce pas ? Mais pourtant, elle fait partie de notre quotidien. C'est pour ça que nous devons éviter de juger les autres. Parce que chacun donne aux uns et aux autres quelque chose à accomplir. Et parfois, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, et je finis avec ça, je sais, ça fait trois fois que je dis que je finis, mais généralement, la troisième fois, c'est vrai. Voilà. Beaucoup de chrétiens sont malheureux aujourd'hui dans leur vie chrétienne. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ils manquent d'épanouissement, parce qu'en fait, ils sont toujours insatisfaits. Ils sont toujours en attente de quelque chose. Du coup, comme ils sont insatisfaits et qu'ils sont toujours en attente de quelque chose, par conséquent, eh bien, il y a une souffrance. Parce qu'ils ne vivent jamais la vie présente. Ils ne vivent jamais ce que Dieu leur donne au quotidien. Ils sont toujours en retrait, en attente que le quelque chose que eux ont pensé ou imaginé, ou soi-disant reçu de Dieu, arrive. Mais quand tu es dans cet état-là, en réalité, tu es frustré et tu n'es jamais dans l'épanouissement et le bonheur. Vivez la vie présente en vous contentant de ce que vous avez au quotidien. Sans être dans la tristesse de ne pas vivre ce que vous n'avez pas encore reçu. On est tous comme ça. On a tous des choses à attendre quelque part, des victoires à saisir. Mais si on vit toujours dans le conflit, si on vit toujours dans l'affliction, si on vit toujours dans l'attente, en disant ben non, j'attends, on verra plus tard. Hein, comme ceux qui disent non, mais là pour l'instant, ce n'est pas le moment, on attend, là on travaille, on gagne de l'argent. Quand je serai à la retraite, là on profitera de la vie. Et puis des fois, certains, ils n'ont même pas le temps d'arriver à la retraite. D'autres, 3 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ils décèdent. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Tu as gagné de l'argent ? Tu as construit une maison ? Tu as un appartement ? Pour qui ? Tu as raté tous les meilleurs moments ? Avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants ? Reviens à ce qui est essentiel. L'équilibre. Aspirez à ces choses. Laissez Dieu les accomplir, mais pendant ce temps, cessez de vous lamenter. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Cessez de vous culpabiliser à outrance.
nous devrions ensemble vivre notre foi au travers de la vie chrétienne en montrant la même détermination que Daniel et ses amis quand ils ont répondu au roi Nebuchadnezzar. Vous savez, lorsqu'il leur disait, je ne vous ai pas donné la totalité du texte parce que j'attends que vous alliez le lire cette semaine. Vous allez le lire cette semaine, non ? Mais bon, il y en a moins deux. À un moment donné, le roi dit, au moment, l'ordre était celui-ci. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite ou de la grande harpe, de la cornemuse, enfin, il y avait tous les instruments, là, on ne pouvait pas se tromper. Il leur dit, alors vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite, dit le roi. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et il répète ceci, il dit, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer, dit le roi, de mon pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est l'équilibre de Daniel et de ses amis. Parce que voici ce qu'il va leur répondre. Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont répliquer ceci au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous voyez, nous, chrétiens, on aurait donné une réponse tout de suite. Bah, t'inquiète pas, mon Dieu, il va me secourir, mon Dieu va faire ceci, mon Dieu va faire cela. Combien de fois, nous, chrétiens, on agit comme ça ? Ce n'est pas la manifestation de la foi, c'est la manifestation de la folie. Manifeste-toi comme ça si Dieu te demande de te manifester comme ça. Mais si Dieu ne te dit rien, ferme ta bouche. Il y a beaucoup d'occasions de fermer sa bouche ce matin, hein, vous avez remarqué ? Mais oui, parce que tu vas proclamer des choses, tu ne sais même pas si Dieu va les faire. Si Dieu te les a dites, ok, proclame-les. Mais si Dieu ne te les a pas dites, tais-toi. Tais-toi. Et regardez ce que va dire. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils n'ont pas de doute, ils ont la foi. Et il nous délivrera par conséquent de ton pouvoir, ô roi. Mais j'aime aussi le verset 18. Parce que même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça ce matin ? Que Dieu te délivre ou que Dieu ne te délivre pas, tu n'adoreras pas la statue. Que Dieu te délivre ou qu'il ne te délivre pas, tu continueras à marcher avec lui. Que Dieu te guérisse ou qu'il ne te guérisse pas, ce n'est pas pour autant que tu vas suivre le chemin de Satan maintenant. Tu vas continuer à marcher avec Jésus. Tu vas continuer à garder ton cœur, à garder ta foi, à garder ton espérance. Parce que qu'il te délivre ou qu'il ne te délivre pas, toi, tu dois rester saint. Tu dois rester pur, tu dois rester vrai, tu dois rester authentique, tu dois rester intègre, tu dois rester honnête et continuer à t'engager, à marcher avec Jésus. Alléluia. Rien ne devrait t'enlever de ce chemin qu'il a tracé pour toi. Qu'il agisse ou qu'il agisse pas, qu'il fasse ce que tu as envie ou que tu n'es pas envie. Toi, continue d'être intègre et fidèle. Arrête de faire le yo-yo dans ta vie constamment. Arrête d'être content, contente lorsque tu vois Dieu faire quelque chose. Ah, il a répondu à mes prières. Ah, il a fait ceci. Et puis, la semaine d'après, ou des fois, juste deux heures plus tard, t'es juste effondré parce que là, tu t'attendais à ceci, tu t'attendais à cela, et Dieu l'a pas fait comme tu l'attendais. Non, mais où est le Seigneur ? Il y a un péché dans ma vie. Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Équilibre. Équilibre. Que je vois Dieu ou que je ne le vois pas, je crois en lui. Que je sente sa présence ou que je ne sente pas sa présence, je crois en lui. Que je vive des miracles, des fois extraordinaires, comme j'ai déjà vécu jusqu'à des résurrections, ou que je n'en vive pas, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est fidèle. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir des sentiments qui viennent, ou des émotions, ou des frissons dans le dos, ou ressentir une chaleur, ou avoir les genoux qui font comme ça. Je n'ai pas besoin toujours que ça se passe de la même manière. Parce que ma relation avec Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle dépend tout simplement de mon intimité avec lui, de ma confiance avec lui. Et j'aimerais vous inviter à cela.
voyez, par cette déclaration ici, eh bien, ces hommes ont montré qu'ils sont tout simplement des gars matures. Ils sont équilibrés. Ils sont spirituels. Leur détermination à vouloir rester fidèles au Dieu vivant est sans limite. Alors, mon frère, ma sœur, comprends ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Que tu vives des victoires ou que tu sois dans de grands combats, Dieu te dit ce matin encore, j'ai une solution pour toi en toutes circonstances. Que ce soit pour te délivrer de la fournaise et te léviter, j'ai une solution pour toi. Que ce soit pour te donner la force simplement de la traverser pendant un temps, j'ai une solution pour toi. Mais si ton chemin, c'est de rester pendant un temps et que je te donne de l'endurance jusqu'à ce que tu quittes cette terre, j'ai aussi une solution pour toi. J'ai tout entre mes mains. Dans tous les cas, Dieu nous dit ce matin, je peux tout pour toi. Parce que j'ai le pouvoir, en toutes circonstances, de te fortifier. Que le Seigneur soit béni ce matin. Que nous puissions nous approcher de lui. Prions quelques instants. Et j'aimerais vous inviter ce matin à comprendre que celui qui peut faire, par la puissance qui veut agir en toi maintenant, infiniment au-delà de tout ce que tu es capable même de demander et même de penser, c'est à lui que je vais te demander de rendre gloire maintenant. Parce qu'il te rend capable d'obtenir ta part dans l'héritage qu'il a réservé pour toi. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quel besoin tu as, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'aller. Mais si Dieu t'a fait éviter la fournaise, alors commence à le louer et à l'adorer. Si tu es dans la fournaise et que tu as besoin qu'il vienne t'accompagner parce que tu penses que Dieu va te sortir de cette fournaise-là, eh bien, que Dieu soit béni. Commence à le prier en disant, Seigneur, viens m'aider dans la fournaise, viens m'aider à la traverser. Je vois le bout du tunnel, peut-être tu ne le vois pas, mais même si tu le vois, tu dis, il est peut-être encore loin, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'être fortifié. Seigneur, viens m'aider. Et là, le Seigneur va commencer à le faire. Et si peut-être tu as reçu une parole de Dieu précise qui t'a dit que toi, tu devais rester dans cette fournaise-là, que c'était ton épreuve, c'était ton fardeau, eh bien, dis Seigneur, malgré cette épreuve, malgré ce fardeau, malgré cette fournaise, je veux continuer ou je veux revenir à te servir pleinement. Je ne veux pas me laisser prendre par toutes les aigreurs, l'amertume, toutes ces choses. Non, je veux tout simplement être régénéré, renouvelé dans mon esprit, dans ma mentalité pour toi, dans ma façon peut-être même de voir les choses. Je veux accepter ma situation, je veux me contenter de ce que j'ai au quotidien. Je ne veux pas toujours repousser à demain les choses merveilleuses que tu veux m'accorder et profiter de mes amis, profiter de ma famille, profiter de mes enfants. Non, je veux en profiter dès maintenant. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, je vous invite, vous, à profiter dès maintenant de ce que Dieu vous donne au quotidien. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Demandez au Seigneur qu'il vienne dans votre fournaise, qu'il vous accorde sa grâce, son secours, sa persévérance, l'endurance si cela est nécessaire et si c'est votre chemin. Eh bien, sois dans l'endurance maintenant. Tiens bon, mais tiens bon dans la joie, dans la félicité et surtout dans la paix. Parce que Dieu déverse sa paix sur ta vie maintenant. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Sois béni pour ces moments, pour ces temps. Sois béni pour cette matinée. Sois béni pour ces paroles. Que vraiment tes paroles touchent les cœurs et les vies ce matin encore. Vraiment, je prie pour mes amis qui sont là, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont peut-être là pour la première fois, je ne sais. Eh bien, qu'ils fassent une vraie expérience avec toi. Qu'ils découvrent dans ces trois domaines clés comment toi, tu es celui qui a des solutions à nos vies. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous avons calé ou calqué nos solutions au travers des expériences des uns et des autres en disant, ben, lui, il a été guéri comme ça, ou il est sorti de la fournaise comme ça, ben moi, je vais être guéri comme ça. Et en réalité, nous sommes frustrés parce que très souvent, nous ne vivons pas les mêmes choses. Ben, Seigneur, fais-nous simplement vivre ce que toi, tu as prévu pour nos vies à chacun. Amène-nous dans ce que tu as prévu, afin que nous soyons des chrétiens épanouis, heureux, joyeux, et de pouvoir marcher ensemble.
dans le nom précieux de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire ce matin. Pose ta main sur mes frères et sœurs. Viens les fortifier. Viens les encourager. Dans le nom de Jésus. Amen.